Aujourd'hui, les étudiants de ce master-là se sont saisis d'une question majeure la thématique concernant la couverture médicale de santé au Maroc et également une table ronde qui concerne la gestion de la pandémie liée à la Covid-19. C'est une table ronde qui est entièrement organisée, pensée, réfléchie, articulée par les étudiants de ce master, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler très longtemps et je préfère laisser la parole à mademoiselle Toudri Ibtissam qui a été l'une des organisatrices de cette table ronde. Donc, bonjour, je suis Ibtissam Amri, étudiante en master évaluation des politiques publiques avec madame Omari. Donc on a opté pour cette table ronde puisqu'on considère que les politiques publiques de santé au Maroc sont primordiales. Et on a fait intervenir différents experts de l'Organisation mondiale de la santé ou encore du ministère, aussi bien que du milieu associatif, pour nous dire ce qu'ils en pensent. Comme a dit Madame Omari, on a parlé de la couverture médicale de base, la couverture médicale universelle, aussi bien que de l'accès aux soins de santé, de la gestion de la pandémie, etc. Donc voilà, merci. C'est une fierté de venir parler de ce secteur qui est un patrimoine marocain aujourd'hui. C'est une technologie qui a été acquise par le pays depuis les années 65-70 et qui s'est bien développée. Et nous avons aujourd'hui une industrie du niveau européen qui travaille avec les normes européennes, puisque le laboratoire national de contrôle du médicament du ministère de la Santé est certifié par l'OMS et par la Direction européenne de la qualité. Vous savez que la santé, c'est un acteur principal dans l'amélioration de l'état du citoyen. Et sans synergie, sans coordination des secteurs publics, il n'y aura pas cette amélioration. Et les secteurs gouvernementaux sont interpellés à renforcer leur soutien, leur coordination pour agir sur les déterminants sociaux de santé. Le ministère de la Santé, avec tous les moyens qu'il dispose, il est très important d'avoir une intégration de toutes les politiques publiques pour répondre aux doléances et aux orientations du discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du 30 2021. Donc, je viens de participer à cette conférence assez intéressante, table ronde, qui aborde un thème assez intéressant et qui est d'actualité, en relation avec la couverture sanitaire universelle. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ça permet aussi une ouverture de l'université, c'est-à-dire son environnement, justement pour se rapprocher un peu de la dynamique des politiques publiques et comprendre un peu comment les choses se passent dans cette sphère de prise de décision au niveau des pays. Le plus important aussi, c'est de permettre aux étudiants une ouverture sur la façon avec laquelle les politiques publiques sont menées dans notre pays et leur donner justement des perspectives de réflexion dans le futur.